Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Bien sûr, je m'en excuse parce que je suis explosée. C'est la fatigue. Coucou YouTube et bon week-end et bonne rediff, tout à fait. Alors, on a relooké la petite Céleste qui est toute mimi. Mais pourquoi tu te lèves en fait, Janine? Voilà, en plus, elle a fait une contraction des genoux. Ah ? Moi, j'arrive plus à faire ça, hein, depuis longtemps déjà. Bah, elle est plus mignonne en jeu que dans le CS. Bref, la petite Céleste a été relookée. Et on est parti pour l'éduquer. Tu vas dormir, mon fou, il est quelle heure ? Ah oui, 7h. Oh, c'est bon, c'est samedi, hein. Ah non, c'est samedi, il faut les occuper. Ah, ça y est, c'est reparti. C'est reparti, Marine se déchaîne. Ah, j'ai un truc dans l'œil, truc bien relou. Merci beaucoup Marine pour l'abonnement offert. À la drôlesse, des bisous. Des bisous et smiley boule et merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce cadal. À voir à quoi elle ressemble, jeune adulte. Oui, mais Mado, hein, déjà, on peut se faire une idée. Ah, bah toi aussi. Ah oui, c'est vrai, on avait changé. Je viens de tilter, on avait mis son truc là. Elle est où? Attendez. Box YouTube, cheer, un 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 Mon pauvre YouTube, il va rien comprendre. Merci beaucoup, King of Pong, pour tes 69 bits. On se demande pas pourquoi 69. Hein. Alors, bah, la drôlesse, si tu veux ban Marine, il n'y a qu'un mot à dire. Hein. Ah, bah elle s'est mise toute seule à la mixologie, enfin, je crois. Préparer un aigre doux. Non, mais tu vas t'entraîner à faire des boissons, c'est bien. Sachant qu'on doit aller au niveau 10, elle bosse aujourd'hui. Et on est au niveau 8 de la, du boulot. Ça, c'est cool. Bon, alors, on va essayer de terminer le niveau 9... enfin, le niveau de mixologie et jeux vidéo. Arriver au niveau 10 aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Et il restera deux niveaux de boulot à franchir. Et ce sera bon pour nous. Pour la génération verte. On est presque, presque bon. C'est beau, hein. Oh ! J'ai oublié qu'elle nous faisait des trucs en feu, là. Qu'elle est belle. Regardez-moi cette poitrine. Tendue comme ça, là. Les gros nibères qui tiennent tout seuls. C'est beau. C'est bon. T'en as oublié un, faire 70. Ouais, mais non, je pense que le 69 était intentionnel. Hein. Elle me fait un cadeau, je la banne, ça va pas. Bah, c'est comme tu veux, hein. T'as dit que... Toi-même, t'as dit arrête. Alors, tu comptes quoi? Ah, c'est limité en caractère, c'est vrai? Route YouTube, vous avez de la chance, vous êtes déjà en week-end. Agent 21, ceci c'est Jean 21, ceci c'est Jean 21, boule. Ça, on va mettre de la saucisse. Mettons de la saucisse. Attention. Waouh, magnifique. Magnifique. Alors, ça flotte dehors. Lui, il fait quoi? Bah, il roupille. Ça va à 10h du matin, Jean-Guy? Mais il fait nuit dans cette baraque, on a payé les factures ou quoi? C'est à cause de... C'est à cause de l'orage, je pense. Orage! Oh, désespoir! Oh, vieillesse ennemie! Je sais plus. Et me dis pas, toi, Jean-Chet, tu peux pas... On a dit non. Hein? Jalouse. De quoi jalouse? Ah, bien sûr que je suis jalouse. Regardez-moi cette plastique incroyable. Moi, c'est, il n'y a plus rien qui tient, hein, déjà. Hein. Moi, il y a tout qui pend. Hein. Puis il y a des excroissances de gras un peu partout. Hein, donc forcément, bien sûr que je suis jalouse. Évidemment. C'est un pervers qui... Si seulement... Enfin, je veux dire... Je dis rien. Enfin, je sais pas. Et puis, je m'en fous.
Peut-être que son kiff, c'est les placards. Hein. Il aime bien rester enfermé dedans. Le soir, avant de vous coucher, regardez dans vos placards. C'est tout ce que je dis. Faudrait pas que vous vous retrouviez avec un Irlandais planqué dedans. Ça pourrait poser des problèmes. C'est bientôt l'anniversaire de Pomme Pote. Quel âge? Ouah la vache, elle est encore jeune adulte. Sérieux? Va bosser, je crois que t'es un petit peu à la bourre là. Un tout petit peu à la bourre. Ah oui, de 1h30. Bah, ça va, c'est la journée. Oh, salut! Qui n'est pas à la bourre de, d'une heure et demie le matin? Oh bah! Elle a mangé un ballon de foot! Ce lapsus, non, c'est pas un lapsus, parce que la fatigue. Et t'as pas eu d'enfant? Ah, quelle horreur, non? Après la gâterie, c'est le placard. Visage enjoué. Bah écoute, tu fais ce que tu veux, tu peux faire aussi des gâteries dans le placard si, si ça te botte. Hein? On sait pas, hein? Eh, ils vont dire bonjour à Tati! C'est une grande histoire d'amour, King of Pomme et les placards. The King of Porn! Oh! Vous avez vu les filles, vous allez avoir un petit cousin là, une petite cousine, je sais plus. Elle se casse hein? Bon toi Jean-Marie là, si tu... Hey, tu me fous ça, tu jettes ça. C'est vrai que t'as rien à faire dans ta vie toi. Bon y a même pas de ménage à faire. Et les gamines Voilà, putain. J'ai un poil de chat. Quoi d'autre? What else, hein, bien sûr. Vous connaissez tous. Vous connaissez tous. Alors, écoutez, on est samedi, on a rien d'autre à foutre, donc elles vont jouer. Hein. Parler. Se renseigner sur le passé. Parler. Se renseigner sur le fait de voler. Bah voyons. Petit con. Allez hop, et tu vas jouer au docteur. Viens voir le docteur, n'en aie pas peur. Chouchou. Dommage 4 heures de DST. DST, c'est quoi ça DST? Devoir sur table. Ah, ok, j'ai compris. Bah, c'est une interro quoi. C'est un devoir. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle quand t'es à l'école là. Un contrôle. C'est ça non? Quand ça se dit. Je sais plus. J'ai jamais fait de dissert et mon prof nous a rien donné de clair pour en faire. Je suis en PLS. Ah. Bah c'est pas un bon prof. Hein. Sophie est complètement hors sujet parce qu'elle a loupé l'anecdote placard. C'est ça, il faut toujours être là mes lives. Tous. Il se passe des trucs des fois. Hein. Alors, aider un collègue. L'un des collègues de Pomme a besoin d'aide pour une tâche. Que doit-elle faire? Est-ce qu'elle apporte son aide ou est-ce qu'elle mobilise toute l'équipe? Et ne bougez pas de votre siège, restez fièrement accrochés puisque je vais vous balancer un sondage. Alors, apporter son aide et mobiliser. Allez, vous avez 2 minutes pour vous. Pour je vous sonde. Je vous envoie une grosse sonde. Pour savoir ce que vous voulez faire, n'hésitez pas à voter. C'est dans le petit encart dans le chat. N'hésitez pas, soyez fous, votez une fois, votez nous. Ça va, Titoune? Bah oui, c'est des petits bonbons. Titi? Ouais. Tu veux venir? Coucou le chat! Voilà, vous avez vu Tyrion. Fais pas ton timide, chaton. Ah, c'est horrible. Dès que tu retouches, après tu les bouffes. Alors, je m'excuse d'avance. Parce que manger des bonbons, c'est pas bien. Parce qu'après, je parle la bouche pleine. T'as eu, il a peur. Il est fou, ce chat. Il vous reste moins d'une minute pour voter pour le sondage.
N'hésitez pas à refresh si vous ne voyez pas apparaître dans l'espace chat. Ah, il est mot titi coin coin quand même. En philo, tant que tu appuies ton propos et que tu le démontes, c'est gagné. Moi non, moi c'était toujours fallait que je me... que je cite des mecs que je connaissais pas. Et que... comme ils avaient dit une phrase, eh ben, ça y est, ils avaient raison sur toute la ligne, tu vois. Ça me rendait fou. Ça me rendait fou. À la recherche de Shirley, merci pour le follow. Oh, un faux follow que je suis ravie. Qui est donc Ornicard derrière ce pseudo, on ne sait pas. Attention, c'est les dernières secondes et c'est mobiliser toute l'équipe. Merci. Et c'est un gain de performance moyen. Braval, braval. On va discuter avec les collègues. Bébé Sophie va faire son gros dodo. On se retrouve dans le futur YouTube. Ah, je voulais attraper Titi. Il a pas voulu. Il s'est défendu. Bec et ongles. Alors qu'il n'a ni bec ni ongles. Eh ben, bonne nuit, mon soldat. Bonne nuit. Est-ce que j'ai un truc pour te dire que quand tu vas dormir, je dirais peut-être que... C'est honteux. Mais aussi que... C'est nul. Voilà. Allez, bonne nuit, les petits bébous. Après, j'aimerais vraiment devoir vous laisser. Demain, je vous très tôt. Bah ouais, tu m'étonnes. Je veux bien te croire. Je voyais un truc qui bougeait tout seul, j'ai eu peur en fait, c'était la télé. T'es sûr que t'as rien à faire toi de tes journées? Monsieur Mathias. Mathias Brockman. Nanananana. Trouver des décorations de printemps. Bah c'est jour 14 sur 14, vas-y, cherche des décorations de printemps, c'est pas grave. On les changera demain. Je sais, je vais te manquer, je sais, c'est nul. Du coup, c'est honteux, je l'ai pris pour moi, j'ai éclaté de rire, mais non! Oh la vache! Mais les éclairs ici, c'est violent, hein! Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? C'est ça tes décorations de printemps? Contempler, bah en plus, c'est pas du tout dans le chemin. Et j'en fais quoi, moi, de tes conneries? Attendez, je vais mettre les lapins. Oh! Je vais mettre les lapins dehors. On n'a pas des vrais lapins, nous. On fera comme si on avait des vrais lapins. Lap! Oui. Lap! Ah! Bah, ils sont réveillés. On va mettre ça. Oh, puis c'est vert en plus. Et vert et bleu. Magnifique. Incroyable, merci Mathias pour cette incroyable participation. Ah bah t'as la grosse opaline qui monte. Mais bonne nuit est partie en deux messages. Oh, j'ai vu ça. Bonne soirée la drôle et bisous. Je pars sur une note hyper drôle comme d'hab. Toujours un gars les lives, triste de devoir déjà partir. Ah la panne de réveil ça pardonne pas. C'est pas grave, tu reviendras la prochaine fois. Tu pourras rester. Yibs! Ah, vas-y. Joue au docteur. Peut-être qu'un jour... tu doctoriseras aussi. Maintenant, parce que la carrière docteur, on l'a déjà faite. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, on l'a même pas faite en entier. Du coup, moi, je l'ai jamais faite en entier, la carrière docteur. Et oui, c'est la vie. Ça arrive comme ça. Servir le déjeuner. Qu'est-ce qu'on va manger ce matin? Ce midi? Ce soir? Soupe de palourde. Mais même pas en rêve. Un bon chili. Tiens, moi j'aime bien le chili. Salut Angel, comment vas-tu? Je reviens, ne pleurez pas. Oui, Julie. Je peux crier alors en 30 ans. Cool, la foire de Finchwick.
Ah, c'est où déjà? Ah, c'est là. Oh, c'est magique! Par contre, t'as vu le temps qu'il fait, toi? Ils ont pas prévu de faire des petites tonnelles et tout, pour au cas où il flotterait sa race comme ça, là. Ça pousse. Arbre fruitier. Je suis pas sûre qu'il y ait du monde qui vienne, hein. Attendez, j'ai pas encore enregistré. Avec un PC capricieux comme le mien. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Pourquoi on a ketchup dans le jeu? Oh, 1000 boules! Bra! 1000 boules, ma petite! Bravo! Je me souvenais pas que j'avais j'avais ketchup. C'est pas grave. C'était un petit coucou à notre amie Marie. Merci pour ton follow, pas d'inspi pour mon blaze. Merci beaucoup et bienvenue. Je vais finir chili con carne et riz, une salade niçoise. Oh bah dis donc. Et bonsoir à toi. Eh bah c'est cool, comme ça ils vont pouvoir tous manger parce qu'il est l'heure de manger. Et toi tu restes bloqué devant le plat. Ah non, regardez. Oh, il veut effleurer légèrement la joue de sa petite chérie. Ah, c'est vrai qu'ils sont pas mariés. Mais comment ça se fait que t'es crevé comme ça, toi, en fait? Ça, ça sent la Sims qui a pas fini sa nuit, qui a fait sa life à 3h du matin, quoi. J'écaille des œufs durs du jardin et je fais un flan pâtissier. T'as un arbre à œufs, toi? C'est cool, tu pourrais me donner une graine? J'aime bien les œufs, moi. Mon mari m'a ramené une glace Benjeri caramel brownie. Oh là 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 là. Bah ouais, mais me fais pas dire ça. Moi j'ai pas de Benjeri. Bon, bah on peut pas dire non, hein. On doit accepter toutes les propositions des amis. Donc on est parti, voilà. On va aller voir le frérot. On va aller voir sa vie. Oh, les tombes, elles ont pas fait splash splash. Tu vas le flatter. C'est qui cette petite choup-choup? Marina. Oh, qu'elle est mimi. Je pense que c'est leur fille. Oui, il me semble que j'avais fait tomber enceinte. Oui, effectivement. Elle est poupette. Elle est mignonne pour l'instant. Elle est mims. Elle est mimsaï. Ça va, Jamie? Tu voulais faire un strike avec les bouteilles? Ah, et du coup, le petit garçon a grandi. Tac. Eh, il est plutôt pas mal, hein? Il est plutôt pas mal. Sympa, sympa. Il s'appelle comment déjà? Guillaume. Ah oui, c'est vrai. Encore un. C'est bizarre, regardez, il est... Je le reconnais plus, là, le Hulk. Ah! La question est, est-ce que vous allez voir Jamie de plus près? On ne sait pas. La 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 la. La 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 la. Ouais, il est kiki, hein. 25 poux, j'en ai sauvé 15 à l'abattoir. Ah ouais. J'ai pas de mari pour m'en ramener. Bah, moi non plus, hein. La tempête fait tout bug. Ah merde. On va envoyer les Sims. Bah, c'est déjà fait, t'inquiète, hein. Je pense que là, c'est déjà fait depuis un moment, hein. Les Sims s'appellent soit Guillaume, soit Chantal. Pourquoi pas? Ah bah si, si si. Qu'est-ce que tu fais? Mais vous verrez galérer là. Allez! Allez! Bah tu sais plus sauter? Bah t'es en train de foutre en l'air mon fauteuil. Oh la vache!
Qu'est-ce qui t'arrive, Jamie? Vas-y. Oui, ouais, ça là. Ça, c'est Jamie, ça. Allez! Allez! Mais c'est plus! Viens! Jamie! Viens! Viens! Oh là là! Mais tu sais plus grimper? T'es un peu bête ou quoi? Oui, par contre, s'il te plaît. T'as 3 poules? Regardez-moi ça. Le petit con qui pisse dans la cuisine. Hein? Ah, purée. Ah, excusez-moi, je suis plus sur le jeu du tout, là. Alors, vous inquiétez pas, hein, il va bien, hein, malgré sa... Son satellite, là. Mais... Ah. Arrête! C'est qui ça? Oh! C'est une des filles d'Astrée? Avec qui? C'est qui déjà son père? Parent Yuna. Oh, je me souviens pas du tout par contre. Mais Astral, c'était Astrée, je crois. Puis bon, les cheveux et tout, puis ça, elle ressemblait à Astrée en vrai. Bah, Astrée s'était reproduit avec elle-même. Ah bah oui, mais c'est ça. Donc c'est ça, une de ses clones. C'est spécial quand même. Les Sims, c'est spécial, hein. Hein, Jamie? Oui, je vous disais, faites pas attention à sa parabole, hein. C'est normal. Il a eu sa petite castration. Et il doit encore garder la parabole pendant 10 jours, hein. Une grosse semaine. Ah putain. Oh la vache. Mais me la fous pas dans la tronche, dis. T'es chiant. Bon allez, c'est bon, on rentre à la baraque parce que je suis pas du tout sur la partie. Parce que monsieur me perturbe. Oh les ronds de la mort. Oui, mais ça c'est... Mais t'es chiant. Il s'est passé quoi? J'ai eu une urgence enfant. Dont je vous passerai les détails. Bah, il s'est chié dessus, quoi, en gros. Non? Mes parents en ont 6 chaque poule. Pond des ponts, j'allais dire. Des œufs de couleurs différentes. Ah, trop bien! Donc, ça veut dire que, genre, quand c'est Pâques, t'as pas besoin de les repeindre, quoi. Il y a même des œufs bleus en vrai. Charlie est enceinte. Ah bon? Ça m'étonnerait. Je suis juste grosse. C'est juste ça, pas possible, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, casse-toi, hein! Je t'ai pas... Mais l'ordinateur, c'est pas toi. C'est pas... Va faire ta vie avant. Bah, elle... Elle s'est reproduite avec elle. Mais c'est pas Shirley, c'est Astrée. Non, l'autre côté. Bank of Flish, kudos. Toi, parce que tu... J'ai l'impression qu'il se tire sur les fils. Alors, là, elle fait sa petite sieste. Est-ce qu'elle bosse demain? Ce serait bien qu'elle bosse pas pour qu'on pousse les compétences. Ouais, ça va. On pourra la faire pousser les compétences pendant tout le dimanche. Elles sont mignonnes, les petites, en vrai. Oui, Charlie, c'est vrai, elles sont bleues. D'accord. Oui, Charlie, blanc, roux et bleu-vert. Ok. Oui. Et la marmotte, elle met chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Ça, c'est une de ces putains de vieilles rêves aussi, ça. Ah, ça m'a marqué. Cette volaille pourrait gagner... Ah, j'avais oublié. C'est où? C'est là. Ah, en tout cas, il pleut plus. Comme Claude.
Arrête! Maman, je suis convalescent. Moi, j'irais t'es plus con. Hein? T'es un petit con, quoi. Attention à la musique, parce qu'elle est copyright. Un œuf au chocolat. Et un œuf vert. Voilà. Elles sont où, les poupoules? Ah, ils sont là, les cocos. Un coq noir. Bah, lui, il est beau, hein. C'est une belle bête, hein. Et un coq blanc. Bah écoutez, ils sont beaux. Lequel va gagner, on ne sait pas. Et merci beaucoup Manu pour ton follow, bienvenue à toi. Ah bah Somono, bah alors. Race différente. Et moi mes œufs sont... Et tes œufs, toi, ils sont roses. Non? Tu peux pas envoyer de l'air? Pas du tout Somono. Il faut que tu aies un permis pour ça. Vous savez à qui j'ai cru que c'était? J'ai cru que c'était Sybille. J'ai mis Sybille dans la partie. Et mais non, Sybille, bah non. La petite Sybille, avec qui on a découvert le pack en live, qui s'était mariée avec Raoul. Et qu'ils ont eu 3 enfants. Pour une fois que je ne dis pas de bêtises, tu ne crois pas, je pleure. Elles ont la chair bleue, mais what? Mais c'est marrant, parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Non, non, mais je vais te donner un permis, t'inquiète. Et alors en plus, Nightbot, il vous le dit régulièrement. Aïe, aïe, aïe. Et hop, tu fais 60 secondes pour poster un lien. Faut que tu le dises en fait, tu dis bah tiens j'ai un lien posté et tout, tu dis ce que c'est à l'avance, comme ça au moins c'est pas un truc dangereux quoi. Et après je te donne le permis. Voilà voilà. Les papatounes. Corzini Saquonet. L'œuf bleu, ah d'accord. Ah c'est bleu. Le bleu de la coquille. Attendez, on va faire de l'instruction aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, l'œuf bleu. Les araucanas non seulement sont, déjà j'oublie des mots, sont non seulement d'excellentes pondeuses, mais leurs œufs sont d'une couleur inhabituelle, de bleu à bleu vert. Cette coloration bleue des machins contribue largement à la notoriété de la race. C'est la totalité de la coquille qui est teintée. Elle est donc colorée dans la masse. À la différence des marrons, dans l'exemple, la coloration bien rouge n'affecte que la cuticule. Oh, Dieu. C'est compliqué. Moi, je suis pas... À cette heure-ci, je lis plus des trucs comme ça. Le bleu de la coquille de T0 est localisé sur le chromosome 1. Il est dominant et autosomal. D'ailleurs, non lié au sexe. Un coq, une poule, machin, croisé avec un sujet d'une autre race aux œufs blancs, par exemple, donnera une première génération de poules pondant également des œufs bleu-vert. Oh ! Un œuf au chocolat ! Pauvre en cholestérol, rumeur ou réalité ? Mais... Ok. Eh bien, merci, hein ! On aura appris des choses ce soir, hein ? Sa barnac de colis, comme on dit. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive, Titi? Tu chantes? Vous avez entendu Tyrion? Hein? Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah alors? T'as réveillé la bête, hein? Il veut venir te voir, hein? Hein? Allez, va voir, Titi. Si Titi chante comme ça, c'est que il veut jouer. Ouais, Titi ? Alors ? Il est trop mignon. J'adore quand il rouroute comme ça. Je trouve ça tellement mignon. Mais Anaïs, t'as dit un mot qui est banni sur Twitch. Je vais pas autoriser ton message, mais ça a rien à voir avec toi. Si je le prononce, enfin c'est un mot qu'il faut pas dire. C'est très dangereux.
Je le dirai pas. Mais d'accord, ok, c'est vrai pour cette poule là aussi. Je connais pas moi les poules pour moi. Pour les poules pour moi, elles, voilà, c'est des poules quoi, tu vois. Enfin, j'ai pas de, je ne sais pas. Mais voilà. La petite voix de Titi, mais oui. La poule soin. Non, non, mais je sais bien sûr, je sais que c'est la race. Mais disons que ce mot-là n'est pas toléré du tout sur Twitch. Donc, je pense que dans le cadre dans lequel on parle de la poule, tout ça, ça passe. Mais pour éviter quelconque souci possible, on va pas le dire. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mais moi tu le sauras au cas où, tu vois. C'est forcément, il va être bloqué parce que c'est vraiment un mot qu'il faut plus employer dans la vie, quoi. Disons que c'est pas dans tous les domaines maintenant, j'ai l'impression. Donc j'ai foutu où le chili là? Il était dans le frigo. Non, il est pas dans le frigo. Ok, tout le monde au lit, j'ai rien suivi, c'est pas grave. Ah oui, certains heures de jeûne. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. J'étais en vacances et je veux me faire. Je vais peut-être faire une omelette, je sais plus. Je casse mon œuf et là je suis. Pardon, attendez, j'en ai cassé un ou j'en ai cassé deux là? Parce que comme vous me connaissez, moi j'ai oublié la moitié de ce que je fais, ou de ce que je dis. Non, j'étais là. Il y avait deux jaunes ou c'est moi? C'est bizarre, hein? 30 heures par jour tout seul, c'est compliqué. La rousse Jamel. Et mes œufs, je les donne à mes voisins. Pourquoi tu n'aimes pas manger des œufs, King of Pom? Moi, j'aime trop les œufs. Allez, va. Tu te mets en pleine forme, ma petite pomme. Et après, eh ben... Ah non! Je l'avais pas mis! Bah, ouais. Et la gamine, elle fait le ménage. C'est bien, elle a bien les gènes de son père. Non, Tata! Je ne prends jamais ce mot à part pour les poules, l'un des... Non, mais c'est pas grave. C'est bon souci. Ma soeur aussi, elle a des poules. Oh, mais tu vas te faire démonter la tronche, toi! Mais tu cherches les problèmes, tu vas les trouver, hein? Hey. Oh, elle l'a insulté, elle a dit dorky. Ouais, si, tu vas manger et puis après tu bosses. C'est quoi qui manque, mixologie et jeux vidéo? Ah, on va faire du jeu vidéo. Parce que c'est l'idéal de jouer vidéal. Jouer à Rival de la Route Alpha. Oh, attendez, on va s'inscrire à un tournoi. Le professionnel. Professionnel, allez. Rival de la Route Alpha. Je sais pas ce que c'est. En plus, pro, à mon avis, elle va se rétamer la chetron, mais c'est pas grave. Ah! Ah! C'est pas grave, ah non, c'est un mot qui est raciste, on va dire. Voilà. Une omelette, des œufs brouillés, des gâteaux, des mousses au chocolat, j'ai faim. Ah ouais, c'est bon. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Titoun, il a failli se casser la gueule en partant. Bah j'ai mis... Bah si, mais juste tout seul, les poules, c'est surtout pour mes déchets. J'avoue, ma soeur, elle donne tellement de trucs aux poules, elle bouffe même du poulet, les poules. Ah non, mais moi, ça m'a fait mourir. Elle donne les autres poulets et les poules, elle les bouffe. C'est dégueulasse. On est obligé de dire oui, hein. Sauf quand c'est pour un taf, évidemment. Mais Janine! C'est pas possible. Eh ben, joue à Rival de la Route Alpha, wesh! Pourquoi t'es excitée? J'ai pas lu, elle a terminé combienième? Pomme a obtenu la troisième place! Et n'a pas honte à cela. Par contre, cela signifie qu'elle a encore une bonne marge de progression.
Ça va, troisième. Ah, c'est ça. En plus, j'ai regardé sans regarder. C'est un... Street Fighter. Ça y est, j'ai trouvé. Bah moi je cuisine seule, pour moi toute seule, je suis pas forcément en dépression, ou alors elle a changé ma dépression. Je suis pas sûre si c'est le nom de la poule. Mais non, mais t'inquiète, mais je sais, y a pas de... Mais je sais qu'il y a aucun problème, t'inquiète. C'est juste que comme ce mot-là était bloqué, j'ai préféré, je sais pas le dire, c'est tout. T'inquiète pas. Je sais que tu, ça a rien à voir avec ça, je sais bien. C'est vrai que je connais pas les noms de race, moi, donc... Le restaurant, c'est McDo. Le fameux. Tu veux un petit peu de glaçon avec ton vin ou... Non? Pour le rafraîchir. Aïe, 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 qui c'est qui m'a cassé la petite baignoire? Ouais, ouais. C'est toi qui as fait des pâtisseries dégueulasses? Bah écoute, toi, tu vas te laver maintenant. Janine! On aimerait tous avoir un petit rouquin à la maison qui nettoie le plan de travail avec son petit caleçon à cœur. Pas vous? Ouais, bah, c'est pas grave, on s'invite, King of Pop. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du gringo chiotte? Ah non! Oh, lapin! Lapin! Ouais. T'es pas fan des rouquins? Mais d'où tu fais le ménage, toi? Et ton père, il va faire quoi pendant ce temps-là? Ah, il doit pisser, lui. Ça fait deux fois qu'il tente à pisser, il y arrive pas. Ah non! Ah, c'est juste un appel, ça va. Ah, t'as raison, Tantori. Enfin, moi, je mange un peu des deux. Mais en général, je cuisine quand même. Bah, ne serait-ce que ma petite pizza. Ma petite pizza, hein? Faite à la main et avec amour, roulée sous les aisselles. Évidemment, ça fait plaisir. Je me régale tellement plus à faire ma propre pizza, en vrai. En plus, celle-là que j'ai fait cette semaine, c'était à la raclette. Bon, alors, on en est où? Tout doucement, 9... on est au niveau 9, 78%. Ah, mais elle est encore là? Non, mais elle vient tout le temps. Ah, 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 par contre, c'est sorti. Elle a dégonflé. Elle a chié son ballon. Par contre, depuis tout à l'heure, il doit aller pisser. Il va faire sa vie, hein. Pardon, j'ai des petits rots tout. Les filles, elles discutent. Hello, Smith. Fadish. Tu vas pas dire ça. Plaisanter sur les crottes de nez. C'est trop marrant les crottes de nez. Ah oui, c'est vrai, moi j'adore ça. Ah oui, c'est super bon sur une tartine. Mais les rouquins sont tout blancs. Enfin, si déjà on peut avoir un homme qui nettoie quelque chose, après vous pouvez s'étonner de mon côté que je sois célibataire. J'avoue, mais bon, je pense que... Quand... Après j'en sais rien, je sais pas, j'en connais pas assez pour établir une vérité, donc c'est pour ça. Mais je me dis que peut-être que si un mec a appris à vivre seul, peut-être que... Bah il sait ce que c'est et que du coup il aura plus tendance à, quand en couple, à faire des tâches de ménagère quoi. Peut-être. Peut-être. Alors que les hommes...
qui passent de chez la maman à chez eux avec leur femme, peut-être qu'ils le font pas. Après, je dis les conneries, hein, évidemment. Hein. C'est pas une généralité, mais je me dis peut-être que ça peut influer. Je sais pas. Oh, regardez les lumières, c'est beau, hein, c'est... Je vais bientôt déménager, hein, je vais avoir une pièce exprès pour le live. C'est pas vrai. Normal, c'est Vainé. C'est Vainé. Attends, ça, je sais plus. Pizza raclette maison doit être super bon. Mais bien sûr. Mais bien sûr que c'était bon. À la raclette, ça a tout fait. Hein. J'en ai pas mis beaucoup. J'ai pas pris beaucoup de trucs parce que je me connais. Sinon, il y a un truc de raclette dans mon frigo. Tout y passe un peu de temps. Mais franchement, trop bonne. Oh, elle a dégonflé. Ah oui, d'accord, c'est pour ça, Vainé. Vainé, c'est gonflé, d'accord. On est que 2% dans le monde. Faut nous préserver, j'avoue. J'aurais tellement aimé être rousse. Enfin, peut-être que j'aurais pas vécu avec enthousiasme comme dans ma tête, je me le dis maintenant, mais... J'aurais bien aimé quand même. À l'heure actuelle d'aujourd'hui, du jour de l'actualité d'aujourd'hui. Du jour. Vous vous préservez vous-même. Les vraies rousses, c'est pas top. Pourquoi? Elles sont mortes de rire. Hello, Smith! Hello, Smith! Ça va, Jeannette? T'as fini de jouer? T'es pas au niveau 10, Jacqueline? Ouais, Jeannette, Jacqueline. Et puis, ça après. Fais-moi voir. Oh, on est un poil... Il en a 10%. Allez, tu fais une pause, tu vas jouer à Vive les Sims. T'as voir, ça va te faire du bien. Un petit niveau 10, là. La couleur des vrais roues, c'est bizarre. Poil de carotte. Bah non, t'as différents roues. T'as des beaux roux en vrai. Bah, moi j'aime bien tout alors. Moi je suis une fausse. Hein. Ça se voit. Hein. Pas de bol. 40 simflouz. Ah la poubelle! J'étais en train de dire mais comment je peux avoir 40 simflouz comme ça là? Tu peux lui donner des conseils? Oh, sur l'éducation de ses gosses. Ah mince, il était là. Oh. Voilà, donner des conseils d'éducation. Alors, Jeannette, niveau 10 ou pas niveau 10? Allez, 93%. Et ma caméra. Je suis pas aussi, je commence à aimer moi aussi. Hein. Si j'ai entendu des voix qui étaient en train de draguer, j'étais en train de dire c'est pas Mathias qui draguait la belle-sœur quand même. Et en fait non, c'était dans Vive les Sims. J'ai tout gagné, moi, la peau de rousse qui bronze pas. C'est des super coups de soleil, mais pas de jolis cheveux roux. Moi, je vais aller chercher un mari en Irlande. Non, je rigole. C'est trop loin. Qu'est-ce que c'est? Ah! C'est une de nos ennemies jurées, pourquoi elle vient? Oh, le pif! My god. Oh, je sais qu'il faut faire des Sims différents quand même, mais bon. Bon, allez! 96%! Je croyais que j'ai la peau trop blanche et pourtant je suis blonde brun. Mais pareil, hein, Angel. Je suis trop blanche et je m'expose rarement. Donc en fait, dès que je m'expose, je crame direct. J'ai des coups de soleil et tout, moi. C'est pas cool. Je suis brune, mais je rouvre les yeux, je vais te bronzer.
Mathias, il aura de quoi s'occuper, là. Il y a la poussière qui est reviendue. Hop. Allez. C'est bon, 98%, là. Ça, tu bronzes. Pourquoi aller en Irlande quand un Irlandais est déjà en France? Pourquoi pas. Je suis blonde et je crème aussi avec des taches de rousseur quand j'étais gamine. Et voilà! Pomme maîtrise la compétence jeu vidéal. Pomme atteint le statut de légende auprès de la communauté des Sims joueurs. Tous les forums mentionnent son nom avec le plus grand respect. Bon bah tu peux t'arrêter là, alors on a gagné, on a monté le jeu vidéal. Un autre objectif de terminer pour cette génération. Et maintenant tu vas t'entraîner à faire des boissons. Bonne nuit Pyria, des bisous. Je suis blonde et je crame aussi avec des taches de rousseur quand j'étais gamine. Je l'ai lu en plus, pour la vache. C'est pas très commode d'oublier ce qu'on lit. C'est vraiment pas de bol. Moi, ça évite d'avoir un cancer de la peau. Pas comme certaines femmes que je connais qui font des UV dans une sans les lunettes de protection. Super! J'ai jamais fait d'UV, moi. Sympa. Ça va, mes petits loulous? Tyrion, ça va mon grand? Il me fait de l'œil, donc ça va. Jamie? Vous savez que Jamie commence à capter son nom, hein. Il serait peut-être temps, tu me diras. Jamie? Jamie? Non. Je préfère se gratter. Jeu réjouissant, est-ce qu'elle aime les jeux vidéo, notre petite Céleste? Ils font des drôles de bruit, mes chats, quand même. Hein. Et putain, je suis pas prête d'aller me coucher. Hein. Je devrais, mais. Tu dis oui pour Céleste. J'attends que les autres répondent un petit peu. Ah, c'est vrai que le cancer, c'est pas tip top. Hein. En général, c'est mieux de l'éviter. Hein. Bon, on n'est pas non plus sur une conversation très sympathique, hein, j'ai envie de dire. Alors, ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux, bah oui. Bon, on est sur oui, alors. Allez, on est sur oui. Voilà, une nouvelle droguée aux jeux vidéo. Pardon. Qu'est-ce que c'est? Marina de l'Estang. Ah oui, c'est une copine qu'on connaît pas. Enfin, je me souvenais pas qu'on avait copiné avec elle. C'était juste pour remplir le sur la checklist à 5 amis, 5 ennemis, hop. Sinon, on la connaît pas. Et les girls, il est 21h35. Vous avez fait votre voix en vrai? Oui, elle l'a fait. Ah bah ça va, elle en fait toutes les deux, c'est merveilleux. Tiens, tu vas jouer avec émotion. Et toi, tu vas aller faire le ménage. Ça t'apprendra. T'as déjà fini de jouer, la vache? C'est rapide, hein. Ok, c'est buggé. Super. Tu vas lire le cochon de Charlotte. Bien sûr, on salue toutes les Charlottes du chat et de YouTube, évidemment. Non, 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 non. Ah ouais, non, non. Maintenant, c'est mieux.
C'est l'heure de la pub. Chouriza, achetez de la pub. Eh ben, on va passer une petite page de pub, hein, Titi. Mais où tu viens de... Il s'est allé par terre comme un caca, là. Je vais donc vous passer une petite page de pub parmi les non-subs. Si vous n'avez pas de fessard devant votre pseudo, vous pourrez tirer au sort pour... par Twitch, hein. C'est pas moi qui tire au sort. Pour vous faire regarder des pubs, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat pour dire que vous avez une petite pub. Comme ça, sans rien faire, ben vous arrivez à participer et à me donner quelques petits centimes d'euros qui seront les bienvenus. Évidemment. À tout de suite. Voilà, voilà. Bon, elle va bientôt y arriver. Est-ce qu'elle y arrivera avant le nouveau jour? Ah oui, bah oui. On est à 95%. Grave, grave. Aïe, aïe, aïe. Ah, de l'or en barre. Faire atteindre le plus haut niveau de la compétence mixologie à un sim. Vas-y. Pomme a appris les recettes du Sunset Valley, de l'écrasé de pommes et du royaume des ombres. Elle peut maintenant... Oula. Elle peut me rafraîchir des boissons, réinitialiser l'horloge d'altération et obtenir l'état d'esprit pro des boissons après avoir préparé une boisson. Massa super! Eh ben, GG à toi, ma petite. Tout est la best. Tout est la best des bestes. Et du coup, eh bien, nous sommes sur... Mais il n'y a plus rien à bouffer. Et Jeanne au lapin, là, si t'arrives, sers la bouffe, hein, tu sers un peu à ça. Fish and chips. Mmh, oh oui. C'est bon, les fish and chips. Dédicace à tous les Anglais. GG Pomme, merci pour elle. Et pour moi aussi, parce que c'est grâce à moi. Ah, elle s'est pris le mur. Un bon petit brownie chocolat après cuisiné, là. Mmh, ça fait envie. C'est qu'il était... je regarde Jamie, parce que comme il se tord dans tous les sens, je regarde s'il il a rien fait comme connerie au niveau de sa cicatrice. Je... Bah oui, GG à moi. D'ailleurs, je vais m'auto-applaudir comme même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Merci, merci. Merci. Ah. Non, 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 c'est trop. Fiché, chips, bière et des champs irlandais, trèfle. 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 Bah écoute, si tu le dis. Si tu le dis, oui, oui. Si un soir, ils vont me faire crac-crac. J'ai envie. Enfin, j'ai envie. J'ai envie qu'ils fassent. Vous avez compris. Daisy. Ouh, de la mûre. De la mûre. La 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 la. Ah, ça y est. Oh, c'est l'excitation. Oh, la température, elle monte. Dans le caleçon. C'est quoi, en fait, tes loisirs, chérie? Ça, merde, c'est vrai qu'il faut les marier. Oh. Bon, on a le temps. Et ils vont que devenir adultes. Hein. J'ai oublié de faire les photos pour elle. Oh, bah, il faut que je les fasse pour la scène pro. Crash, plus qu'à finir l'objectif d'une des fillettes et c'est bon. Des fillettes? Pourquoi les fillettes? Non, non, il faut juste qu'elle aille au niveau 10 de sa carrière et puis c'est gagné, c'est super. Comme dirait... pas de bébé, non. Comme dirait Dora, c'est super, c'est gagné. Deux chats et pas un seul pour me faire des câlins. Pareil, j'en adopte un troisième. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais tu vas te coucher alors que t'as pas pissé? T'es un peu bête aussi. Hein. Allez. Tant pis, tira au lit après. Brrrr.
Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas faire une sieste sur le canapé? T'es un peu stupide ou quoi? Il ronfle, il pète, il fait quoi? La musique, elle est même pas encore finie. Ils sont déjà en train de roupiller de leur bon quoi. Ah oui, mais on n'est pas... Ah, pour l'instant, on n'y est pas encore, la génération bleue. J'ai peur, tu veux passer déposer un bébé. J'ai peur pour passer déposer un bébé. Ah bon, il dépose des bébés lui aussi? C'est une cigogne, le truc? Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh là là, j'ai faim! Oh ah, t'iras prendre ta douche. 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 Douchisé. Et t'ira bouffisé. Du bon fish and chipsé. Bah c'est bien, on avance hein. On n'est pas prêt d'avoir une promotion. Mais bon. Ouais, elle bosse à 10h. Pourquoi tu t'es levée, Janine? Non. Je te dis tout de suite, c'est non. C'est non. Après, tu peux manger si tu veux manger. Tu manges ce que tu veux. Je m'en bats les steaks. Et t'iras te laver. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est content. Oh, on la sait avec réticence. Ah bah non, ta femme, elle veut pas. Elle a pas le time. C'est dommage. Je te dirais bien d'écouter... Pour que tu comprennes ma douleur. Mais c'est intéressant ce qui est péril. Je comprends rien à vos conversations. Mais je comprends rien à vos conversations. Jamie? Ah, il mange. Pardon. Je croyais que tu faisais des conneries. C'est pour ça que je t'appelais. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je sais que vous m'avez aimé intensément. Ignoré. Ah, c'est l'été. Elle est en petite tenue. Allez, va bien travailler, ma coquine. Travaille bien. Allez, pomme pote, pars travailler. Tu as discuté avec les collègues. Puis on va passer en mode... Hein. Voilà. On va regarder ce qui se passe. Sinon, ça va? Ça va, Julie? Un conseil, reste dans la carrière youtubeur et ne tente jamais celle de chanteuse. Bah merci, c'est gentil. Tu penses que c'est une carrière youtubeur? Je pense pas. Oh! Aider un collègue! Pourquoi il y a un sondage? Alors? J'ai pas compris. Est-ce qu'on apporte notre aide ou est-ce qu'on mobilise équipe? Je vais mettre sur une minute, sinon je sens que je vais m'endormir. N'hésitez pas à voter, refresh si vous ne voyez pas apparaître. Je peux partager la musique, Shirley? Petit poney. No. J'ai mal à la tête maintenant. Mais moi, j'ai déjà mal à la tête. Depuis un moment déjà. Encore sondage. Bah j'y peux rien, Anne. C'est le jeu, hein. C'est pas moi. Hein. C'est le jeu qui est bloqué sur la même question. C'est pas ma faute à moi. Hein. Si le jeu te montre toujours comme ça, t'étais un collègue ou pas. C'est pas ma faute à moi. «
toute ressemblance avec une chanson presque connue n'est pas vraie. Baby Shark, dou 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 Baby Shark, dou 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 Baby Shark, dou 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 Baby Shark, Mommy Shark, dou 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 dou. Et ouais, Chanchon, elle va jamais te lire un pavé aussi énorme, désolé, hein. Je connais pas, donc du coup, je peux pas kiffer, mais ok. Très bien, on va mobiliser toute l'équipe, alors. Voilà. Et on a une facture de 10 000 balles, gain de performance moyen. Merci beaucoup, Muscat, pour tes 100 bits. Merci beaucoup. Oh, quel honneur, tout ça. Gain de performance moyen, ça fait plaisir. On va un peu travailler dur. Oh, ça la fait pas bouger trop. Pas de soucis, Marine, des bisous. Bonne nuit à toi, à la prochaine. Merci beaucoup. Et Julie, tu as donc acheté un sondage. Quelle est ta question et quelles sont surtout tes réponses? Oui, je vois ça. Tiens, est-ce qu'elle doit inviter Guillaume? Moi, je sais pas, hein. Guillaume. Moi, les Guillaume, je suis pas trop fan des Guillaume. C'est leur cousin! C'est Guillaumus! Guirlandus! Ouais, c'est celui-là. Exactement, c'est là, c'est lui. Il est là. Sous vos yeux ébahis. Guirlandus Guillaumus fait partie de notre soudain. Oh, trop mignon. Ah, oh, double. Bah, dis donc. Parler de l'école. Voilà, c'est tendrement. Et les goûts musicals. Non, pas faire une sieste, Janine. Pardon. Je sais plus ce que je fais. Je commence à cliquer n'importe où. Et lui, il est là. Ah non, il regarde la télé, ce que j'allais dire. Ah oui, il regarde la télé éteinte. Les sœurs maladroites. Oui. Ah bah pour moi, elle est éteinte, en fait. Là, tu te fais ton film toi-même. C'est normal. Et salut, le Hulk, comment tu vas? Je suis pas très bon en invitation, hein, donc je... Non, je viens pas. Comment ça, t'es pas très bon en invitation? Un stream pour qu'on raconte nos pires rencontres. Oui, on veut savoir. Non, Balek. Les pires rencontres. Ah bah il y a des gens en cours, dis donc, j'avais même pas vu. Eh ben n'hésitez pas à voter, hein, pour le sondage de Julie. Si vous ne voyez pas le sondage, je vous invite à refresh. Non mais tant mieux, parce que là je suis dans le cake, hein. Je commence à pu... Pomme a découvert des informations sur œufs qui sont achetés sur carnet. Ah, c'est Raoul qui lui a donné un œuf. Merci Raoul, t'es gentil Raoul. Oh, tu es mignon, j'ai Raoul. Ah là, t'es toujours célibataire, tu trouvais une meuf? Eh ben non, il est toujours toujours célibataire. Pourquoi ils regardent par là? Ça me perturbe, on dirait qu'ils me regardent moi. Ils ont des problèmes, les Sims, en ce moment. Ils regardent pas où il faut. Hein. Bah, sinon, on pouvait discuter à la maison aussi. C'est pas interdit. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont? On dirait qu'ils sont tout buggés. Même si on avait enlevé l'autonomie. Ils sont chelous ces Sims là. Ils sont chelous. Bon alors Janine, il faut juste que tu chopes ton niveau. Ah, le niveau. On a augmenté. Je pense pas qu'on ira très très loin, mais.
J'aurais aimé entendre vos rencontres. Bonne nuit, Chorisa, des bisous. Dors bien. Et merci. Tu crois que c'est un nouveau effet de la plante de Strangerville? De quoi donc? Je comprends rien, moi. Plus rien que je comprends à cette heure-ci, là. Oh non, ça suffit, hein. On va aller au festival Frasque et Humour. Jamie? Il joue. En ce temps-là, il pisse pas dans la cuisine et il se bouffe pas les fils de la cicatrice. Ah, c'est ça ton festoche? Sibuna Torbel Farbe. Piguna. Ah ouais. Ouais, j'étais en train de danser sur la musique. Et on fait quoi? C'est qui lui? Hervé Guisset? J'ai l'impression d'être dans un documentaire animalier là. Comment ça, je suis plus étanche? Putain, je comprends rien. Ce soir, je ne bite plus rien. Vous avez voté quoi? Non, Balèque de vos vies. Mais la violence! Mais la violence! Alors, vous voulez qu'on fasse partie de quoi? Des blagueurs ou des farceurs? Ça, c'est quoi? Des blagueurs. Et les farceurs. Darla, dirla, dada. Et quel thé qu'on boit, anala, arna, dirla, dada. On est farceur, on est blagueur, narla, dirla, dadeur. Il a un problème avec son nez. Bah écoute, c'est de naissance, je crois. Ah bah, ouh. Lui aussi, hein, il est pas aidé, hein. Oh, le pauvre. Qui t'a enfanté? Éric Garnier et Céline Robert, donc c'est son père, ça. Céline Robert. Madame. Petit poney, tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney, petit poney. Petit poney, tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney, tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney. Petit poney, la nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney. Trop. Trop de lettres! Alors, 3 farceurs, 4 farceurs. Coucou Martial, comment vas-tu? Je t'en complètement en bug. En bug. Farceur, ta sœur. Rejoins les farceurs. Eh, on va le faire ensemble, comme ça on gagne des voix. Après, faire des farces, c'est un peu plus chiant pour les... Mais bon. Jamie. Mais là, tu grimpes? Oui! Petit con. T'es un petit con, toi. Tu le sais que t'es un petit con. Ouais, tu le sais que t'es un petit con. Oh, c'est violet! J'avais même pas fait attention que c'était violet. Parce que là, je pense que je vais faut que je prenne un screen. J'ai pas fait un screen encore.
Voilà. Aïe, aïe, aïe. Déjà, il m'écrase à moitié. Ah, mais quand il se fout devant mon écran, là. Moi, je vois rien. Des fois, Titi, il vient, il fait des câlins. C'est mignon, hein. Sauf que je vois pas mon clavier, je vois rien de ce que je fais. Et là, il est allongé sur le bureau. C'est pas possible, Jamie. C'est pas possible. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Allez, descends d'un étage là parce que sinon je pourrais pas faire quoi que ce soit avec toi. Ah. Mais arrête ! Ah, il a vu l'élastique. T'es chiant. Non, je l'ai enlevé. Allez, zop, zoup, zop, tu t'en vas. Oh, il m'agace ! Farceur, nous sommes farceurs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Continuer à réaliser des interactions pour que votre équipe... Il faut faire de la malice, c'est ça ? Ok. Ah, attendez, il y avait quoi ? Oh putain, ça me l'a enlevé, évidemment. Parce qu'autant qu'à faire, autant jouer au jeu, hein ? Oh, d'accord, ça... Laissez entendre que les blagueurs sont à l'origine d'un sabotage. Pourquoi il y avait un sabotage ? Chanter l'hymne des farceurs. Allez, vas-y. Convaincre que le thé est toxique. Allez, vas-y. C'est des sacrées farces, ça, dis-moi. C'est incroyable. Plus de choix. Méchant. Pas la péter. Mais quoi ? D'accord, tout va bien. C'est dégueulasse. Complètement. Oh. Oh non, mais pourquoi elle pète ? Mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Après, ce qui me fait rire, c'est surtout qu'elle se bouche le nez en disant oh, ça pue. Et lui, il est dégoûté. Hey, c'est quoi ce truc ? Qui c'est qui a fait ça ? Oh bah, elle, elle en revient pas. Elle a fait oh, quoi ? Pomme a pété ? Tu peux rien faire avec ça ? Waouh ! Trop bien! Le truc, c'est que... Comment on fait des farces, du coup? On en fait que... Ah, il faut tirer un feu d'artifice? Comment je fais pour tirer un feu d'artifice? Ça se voit que je viens jamais? Faut l'acheter quelque part? Il faut l'acheter? Parce que quand je fais la team des blagueurs, je sais que c'est des vannes, mais les farceurs, je le fais jamais, en fait. Ah. C'est ça ? Acheter une babiole. Yoshona, Yoshona, ah, et donc nous ? Bonne nuit, Somono, des bisous ! Ah, bah oui, c'est ça ! Feu d'artifice. Tourniquet du festival. Vas-y, on va en prendre un petit peu. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'amour dans l'air là. Love is in the air. Placé dans le monde et allumé. Ah oui, c'est ça. C'est ça qui est le truc qui tournait alors. Ça va te péter à la gueule ça, ma cocotte.
Mais c'est de la merde. Farceur mène 2 points. Continuez à réaliser des interactions pour faire gagner des points à votre équipe. Ouais, on va faire ça. Vas-y, allume ça. On s'est fait eu, hein. Ça marche que dalle, hein. Ouais. Il y a des toilettes quelque part, je crois. Je sais plus. Elle va les trouver elle-même, hein, parce que là, moi, je... Ah bah, ils étaient juste là. Ah, je savais que c'était pas loin. Alors, elle doit... Les farceurs mènent de 2 points, donc logiquement, devrait pas être... hein. Ah, il n'y a pas un truc à faire avec ça. Verser du thé clair. Vas-y, va faire verser du thé clair. Qu'est-ce que t'as? Mais non, tu bois pas. C'est quoi ce délire? Donc je vous dis, je prends toujours les blagueurs. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu veux parler à lui plutôt? Bah va parler à lui. Présentation amusante. C'est qui ce mec? Qu'est-ce que c'est que ça là? Aïe aïe aïe. Raphaël Guisset. Bah dis donc. Les blagueurs mènent de 1 point. Bah oui. Laissez entendre que le thé a été saboté et elle va péter, c'est ça? Eh, il faut que faire des farces là. Y a pas de raison que qu'on se fasse U, hein. Ah là là, ça marche pas, c'est quoi ce délire en fait? Méchant. Non, malice. Ah, convaincre que le thé est toxique. Chantez les bénédictions des farceurs. Vas-y, pète. Ouais. Oui! Victoire des farceurs! Nous avons gagné. Elle fait du vaudou. Et on a gagné une poupée vaudou. Mais c'est trop de la boulette. Oui, c'est les violets qui ont gagné. Because the violet is the best. Ta 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 ta. Heureusement que j'étais là. Hein. Sinon... Waouh. Faites gaffe, qu'il y a des avions là. Ils vont croire que... Hein? Qu'il y a des trucs qui recommencent là. Il y a beaucoup d'avions, il y a beaucoup de bombes dans l'air là. Moi ça me fait peur. Hein, Titi? Bah oui, mon chaton. On dirait qu'ils veulent tuer les avions. Merci beaucoup, King of Pom, pour tes 100 bits. Salut, Lucy Fred, comment vas-tu? Ouais, on vient de gagner la team farceur au festival Fresque et Humour donc. On admire un petit peu le feu d'artifice en notre honneur. Mais il y a aussi des avions qui volent, donc en fait, ça fait un peu peur. Ça fait un peu attentat. Bon, bon voilà, bah, c'était cool. On rentre chez nous, hein, parce que bon, il est mi-et minuit. C'est Chouchou Beach chez Sims. Et donc, Pomme doit rentrer chez elle, tel Cendrillon, après le bal. À minuit, si elle ne rentre pas. Eh ben, elle devient... Elle redevient une gueuse. Hein? Oui? C'est Titi. Cinq rue des Pavés. Je suis en train de me dire, du coup, j'ai pas eu le temps de faire... Qui c'est? Les gosses, elles ont pas fait leur devoir, quoi. Bon, de toute façon, vu qu'elles ont pas dormi. Ah, merde! Oh, marde! C'est pas les devoirs qu'il faut faire, c'est le projet scolaire.
Ah. Toi aussi, j'imagine que tu as ton projet scolaire. Bah, vous allez commencer toutes les deux en même temps. Ça, vous allez travailler toutes les deux sur chacun le projet de l'autre. Voilà. Je vends toujours la team farceur quand tu revends les gains, t'en as pour plus de team flouze. Ah, mais je pense jamais à revendre en vrai. Non, c'est parce que je trouve que c'est plus facile de faire des vannes que de faire des farces. C'est pour ça. Je crois que qu'une est fan de l'ordi de sa mère. Ouais, un peu beaucoup même. Ouais, vas-y, aide pour le projet. Et papa, s'il est pas fatigué... Oh, ça va. Il peut venir aussi aider, comme ça après ils vont finir plus vite et ils pourront faire l'autre projet. Ça, c'est bien. Bah écoute, on est sur le notre saut. On a déjà complété toutes les compétences requises pour cette génération verte. On a la programmation, la mixologie et les jeux vidéo à niveau 10. Et il nous manque plus que faire les deux derniers niveaux de la carrière et on aura fini. Voilà. J'aime les projets scolaires, mais c'est trop long à faire. Je trouve c'est pour ça que j'essaye toujours de faire au moins quelqu'un qui les aide. Parce que sinon, c'est trop long. Donc s'ils ont des copains qui ramènent de l'école, c'est nickel. Parce que les gamins peuvent aider direct. Un passant, la grand-mère, la bonne, le majordome. Moi, j'ai fait tout passer. Hein. Enfin, les passants, ça marche pas, mais... On peut faire venir les gens qu'on connaît exprès, hein. Ça marche. Sont bien sages ces poilus. Alors, on va accélérer un petit peu parce que bon. Et ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas enregistré. Tu vas voir autre chose, bah bravo. Des bisous King of Pommes. Et merci d'avoir été là. À bientôt. Et ben voilà, c'est réussi. Ah, mets dans l'inventaire. Ouais, c'est pas exceptionnel non plus, hein. Fais pas ta fière, hein. Moi, j'ai vu des trucs mieux faits, hein, quand même. Merde, je lui ai donné à elle. Oh là là. Allez, viens, Janine. Tu vas commencer à travailler soigneusement et après, ils vont tous t'aider. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Non, tu vas sûrement pas boire. Tu vas aider pour le projet et toi aussi. Allez hop, c'est parti. Voilà. Ça va mieux comme ça. Entre les devoirs, les projets scolaires et les présentations, les gosses et les enfants n'ont plus de vie. C'est ça. Voilà, niveau 5 des facultés mentales. C'est beaucoup plus que plein d'humains dans ce monde. Ah oui! Bon, en même temps, Céleste qui fait le projet scolaire système solaire, je trouve que ça se suit. On voit qu'il y a un niveau vachement supérieur quand même. Hein. Céleste, ben c'est... L'espace, tout ça, c'est un peu son domaine. Hein. Regardez-moi ça. Waouh! C'est beau. On est où, nous? On est où? On est sur la petite boule verte, là? Canon! C'est bien, elle a réussi à mettre dans l'inventaire. Et puis dodo, tout le monde! Tout le monde! Tout le monde! Tout le monde, il va dodo. Lui, il bouffe et il va se coucher. Un bon fish and chips tout froid. Mmh. Quel bonheur! Mais tu vas. Mais va dormir là! Oh non 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 les filles, non non les filles. Dodo, pas sieste. Ouh, à moins que je vous scalpe. Vous allez voir ce que ça va faire. Ben voilà, du coup elles ont pas dormi assez. Par contre, il y en a une qui a bien dormi cette nuit, hein. Ah ouais, c'est sympa en fait de dormir une nuit complète. Chose que j'ai oubliée moi d'ailleurs. Ils sont beaux les PS. Les PS. Projet scolaire, d'accord. Pas de soucis, Guillaumus. Des bisous, bonne nuit.
Regardez, elle est tellement dans le vert qu'elle sait plus. Il y a trop de choses qu'elle a réussi dans sa vie. Ah, mais on est mardi, elle bosse pas? Ah si, elle bosse, c'est bon. Oh, tranquille. Les filles, par contre, c'est l'école. Merde, j'ai ouvert mon explorateur de fichiers. Ah là là, mon dieu, je suis à la bourre. Il est 10h du matin, ça fait 2h, vous avez un peu raté les cours, là. Oh, bah tant pis, t'iras pas pisser, cocotte, hein. Si tu trouves un coin de couloir dans l'école, tu peux essayer. Hein. Oh, écoutez, on fait ce qu'on peut. Ouais, bravo Céleste. Bravo Nila, perdu les projets scolaires, c'est trop bien. Bravo. Depuis quand tu quittes ton boulot pour aller te fêter ton anniversaire? En fait. Ah bah ouais, elle peut y retourner. Ah si, elle peut y retourner parce qu'elle est bourreau du travail. Allez, bon anniversaire, pomme, dégage. Vas-y, va bosser. Oh, quel enfer! Salut Sasumaki, comment tu vas? Ah mince, il faut qu'on paye les factures. Arthur? Oui, Jamie. Marche pas sur le clavier. Hein. On va avouer l'erreur. Et tu vas payer les factures. Monsieur Jamie. Bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ouais, c'est exactement ça, Julie. C'est tatouage de machin bidule. Je vous montrerai pas son trou de cul, hein, quand même. Ça se fait pas, hein. C'est intime, ça, hein. J'entendais quelqu'un faire des bruits chelous. C'était elle. J'ai cru que c'était... qu'elle disait, ils sont là, dans les rues, dans les campagnes. C'est très étrange ce spawn là, ici, que c'est à côté de la maison, quoi. T'as l'impression qu'ils sont dans le jardin à chaque fois, ça me perturbation, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Hein, Jay mignon. Mais tu peux... tiens, préparation de conserve, on a de quoi faire. Bah non, on a rien du tout. Je me disais aussi. Tu vas servir le déj. Des faux sandwichs BLT, vas-y. Rends-toi un peu utile, Jean-Guy, là. Range. Y a rien à faire, ce pauvre garçon. En fait, il s'occupait des enfants avant, quand ils étaient petits. Mais maintenant, il n'a plus rien à faire. Le pauvre homme. Bon, il est spécialiste des soins pour soi. Enfin, il voudrait son aspiration, sauf que bof, quoi. Parce que j'ai l'envie de lui faire tout ça. On n'a pas besoin d'argent, au final. Donc ça sert à quoi? Hein? Hein, Jamie? Hein, Jamie? Te couche pas sur le clavier, tu vas faire n'importe quoi au jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça bouge là? C'est le chat. Il y a des gens qui te regardent et qui t'entendent. Ah oui? Salut Sam, comment vas-tu?
C'est intéressant la vie de Mathias. Hein. On va. Ah bah voilà. Mais pourquoi ça marche plus? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a déconnecté mes touches. C'est une blague? Mais. Qu'est-ce que t'as fait, Jamie? Oh putain, c'est pas possible. Mes touches, elles marchent plus! Ouais! C'est trop bien! Quand j'ai dit qu'il allait faire n'importe quoi. Super! Je suis ravie. Je suis obligée d'aller avec les flèches là, là. C'est pas du tout comme ça que je joue, moi. Les belles saucisses. Ouais. Oh, Guillaume et Guillaume! Bah, dis donc! Ah oui, merde. Attends, parce qu'il y a Guillaume et Guillaume. Lequel s'appelle Guillaume et lequel s'appelle Guillaume? On sait pas, on sait plus. La responsabilité n'est plus compatible avec l'attention de très responsable. Bien sûr, t'as raison. Ah, oh, t'es chiante aussi, toi. Toya, félicitations pour son... Oui. Ça me perturbe qu'ils spawnent là, les gens. C'est pas bien. C'est ça, c'est Guillaume et Guillaume. C'est seulement Guillaume, en fait. D'accord. Salut, cousin. Je suis dégoûtée, il m'a cassé mon clavier! Je peux écrire? Non, je peux même plus écrire. Il m'a pété mon clavier. Je peux plus. Mon clavier ne fonctionne plus. Voilà, vous serez au courant, mon clavier ne fonctionne plus. Comme ma bite. Vis ma vie. J'aime ma vie. Ah, je vous l'échange contre n'importe laquelle. Mais je sais même pas comment il a fait, parce que je sais même pas qu'on pouvait verrouiller un clavier. C'est cool, hein? Bah, allez, bon. Heureusement que j'ai la souris qui fonctionne. Hein. Il manquerait plus que ça. C'est génial. Ah, tu vas raconter une histoire inventée, tu vas parler de jouets, après tu vas faire tes devoirs parce qu'à un moment donné... Elle est déjà en train de les faire. C'est juste que c'est pas ta chambre, mais sinon c'est mignon, elle fait ses devoirs à son bureau. C'est trop chouchou. Apollo Chaba Krezo. Wabarani Zimze. T'as raison, elle va pas parler pendant le film alors qu'il n'y a plus rien à l'écran. T'as raison, Gaston. Ouais, mais je regarderai pas après. Parce que là, je ne sais pas. D'ailleurs, ce soir, j'ai reçu un courrier. Ça y est, monsieur Jamie m'appartient officiellement. J'ai reçu le papier. Comme quoi ce chaton était à moi. C'est la première fois que je reçois ce genre de papier. C'est bizarre. Bah que maintenant ils l'ont fait... Bah, c'est même pas une semaine. Hein,
C'est après la stérilisation de vendredi, ils m'ont dit que j'allais recevoir... j'avais un papier provisoire, que j'allais recevoir le définitif après. Ça va, c'est rapide en vrai. Ouais, qu'il aime, tu sais. Moi, je me suis posé la question plus d'une fois si j'allais pas l'abandonner dans la rue. Hein. Parce que Dex, comme je l'avais pris à la SPA, bah, je l'ai eu immédiatement. Comme quoi, il était à moi. Enfin, ça a pas été à part. Enfin, ça s'est fait en une tout de suite. Titi, c'est quand il est parti aussi se faire castrer, tout ça. Il est revenu, il était castré, tatoué et amoué. J'avais le papier direct. Sauf que là, ça s'est fait en décalage. Parce, tu vois, à chaque fois, c'est différent. C'est marrant. Après, Doudou, je l'ai eu à... Il était déjà grand, castré et tout. Donc... In a room. Mikobies, ouais, t'as vu, c'est Mikobies. Tabarnak, hein. Fatigue. Combien je le vends aujourd'hui? Moi, hier il était à 100 000. 90 000. C'est quand même... Hein, ça va, c'est pas mal. Faut quand même que je pense à mon avenir. 90 000. Le pépouze, là. Et qui a un trou dans le ventre, là. Et je regarde si tu l'as bouffé, ta cicatrice, là. Eh. Ah non, ça va, 19h. Allez, on est obligé de dire oui. On est obligé de dire oui, tous les amis qui vous proposent un truc, faut dire oui. Bien sûr, je refuse que quand ça te propose un autre travail, parce que, ben, c'est pas notre objectif, quoi. En vrai, je pense qu'on va, terminer sur cette journée-là des Sims. De toute façon, elle travaille pas le lendemain. On peut la faire aller travailler. Ouais, puis comme, mais bon, ça fera une bonne pause. Qu'il est beau, hein, tout en vert comme ça. Il est beau, le Hulk. Franchement, t'as un bon style, le Hulk. Je sais pas qui c'est que t'as looké, mais quand même, t'es bien habillé. Tu es tellement drôle. Ouais, je sais, merci. Je sais. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, merde, c'est vrai que j'ai plus mes touches, moi. Ah non, j'ai cru que c'était le... Bah non, je suis con, le Guillaume, il est chez nous. Il peut pas avoir grandi d'un coup, mais j'ai eu peur quand même. Se plaindre du cake aux fruits. Bon, si tu veux, hein, vas-y. Hein, et renseigne-toi sur les goûts musicaux de ta belle-sœur. Quel calme. Elle est où? Voilà. Bonne nuit, Anne, des bisous. Merci d'avoir été là ce soir. Chaton. C'est poil partout. Il pisse dans ma cuisine, il déconnecte mon clavier. Non, mais franchement. Ah merde, qu'est-ce qu'elle a dit comme connerie? Oh non, et la gamine qui fout la... Oh là 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 là. Signé un autographe. Papa Moy Zerxel. Philpin. Vapin. Fibachi. Fait peur. Tout le monde dort dans le chat? Je crois que tout le monde dort. Bah, on va coucher les abonnés, Jamie. Alors, tu me dirais, lui, il a pris une longueur d'avance aussi. Hein. T'en fous, hein, il vous précède. Hein. Voilà.
Vous avez le même état que, nos, que ce chaton. Non, non, je me fais du thé. Très bien. Bon. De toute façon, il manque plus que sa carrière. Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce qu'elle a été agressée, sa belle-sœur? Ah, j'ai oublié que j'avais plus le clavier. La 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 la. Tu t'as dit une connerie. Je voudrais que tu t'excuses. Tu vas la flatter dans le sens du poil. Tu vas la flatter et complimenter sa tenue. Allez. Ah oui, pardon. C'est fou. J'ai trop les automatismes avec mon clavier. Ah, vous imaginez, là, on sera en construction. Je ferai comment? Ah, elle a grandi, la choupette. Ah, je peux même pas faire mon tab. C'est d'un frustrant. C'est hyper frustrant. On va s'arrêter hein, parce que de toute façon si mon truc fonctionne plus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi ne fais pas de bêtises pendant ce temps. Oui bah c'est rare, il faut en profiter. Avachi sur le clavier, sur le bureau comme un sac. Avec son gros cul qui a cassé mon clavier. Je suis épuisée, du coup je suis là mais je participe pas. Non plus que Doris Bitter, c'est la cata. Au moins Doris et ses 30 amis dans sa chambre. C'est nul! C'était sa vanne, hein, bien sûr. Bon, allez, on va rentrer chez nous, là. Ça suffit. Mais je peux pas! Comment je fais? Ah non, mais moi, je fais pas comme ça. C'est trop long. J'ai l'habitude d'appuyer sur M pour partir. Quel enfer! Eh, les raccourcis clavier, c'est la vie. Hein. Moi, j'oublie. Mon chat éteint le PC hier, un coup de patte sur le bouton d'alimentation et pouf, toutes les rénaux de Sims que j'avais faites partir à la poubelle. Mais t'avais pas à sauvegarder? Bah, moi, tu me diras, j'ai un PC tellement chiant en ce moment que bah, je suis obligée de sauvegarder tout le temps, quoi. Quand je fais du montage, la moindre touche que je touche, pouf, je fais un CTRL-S direct. Là, je peux même pas taper le truc. Ah non, CTRL-S pour sauvegarder, c'est impératif. C'est impératif. Les filles, vous avez fait vos devoirs? Et puis toi? Bah nickel, elles ont fait leurs devoirs, écoutez. Que dire, que faire? Je ne sais pas, dans quelle étagère? Oh! Attends. Ces trucs-là, ils prennent feu. Allumez ceci. On dirait un ovni. Oh bah genre. De toute façon, j'aurais pas pu faire de mode tab alors. Et maintenant, c'est Nila. Est-ce que Nila aime les jeux vidéo ou pas? J'ai oublié de sauvegarder. Ah non, c'est obligatoire, faut sauvegarder tout le temps. Qui va prendre feu? Oui, qui? J'avoue. Pas de soucis, Julie, dis bon app. Bon appétit. Ça vous fera participer. Merde, j'ai foutu de l'eau. Touk, touk, touk. Touk, touk, touk.
Petit châtal, châtane, pardon. Je dis oui, je dis non. D'accord. Je dis oui, et je dis non. Et je dis oui, ni oui, ni non. Je dis non, très bien. Elle n'aime point les jeux vidéo. Est-ce qu'elle les hait, les méprise? Nila, c'est peut-être notre future héritière, on sait pas. Alors toi tu dis oui, Julie, d'accord. Donc ça fait moite-moite. Ah, 3 pour oui, 2 pour non. Bon, c'est un oui. Comme vous êtes 3 à participer. Waouh. C'est vert. C'est bleu. Attends. Waouh. Elle a fait waouh comme moi. Elle a pété avec les feux d'artifice au secours. Oh, ils m'ont encore cassé les chiottes. Oh. Alors, on va retourner voir d'en haut, hein. Ah non, c'est une vieille fontaine. C'est nul. J'ai jamais fait ça dans les Sims en vrai. C'est la fête. Ah ouais. Ce niveau me prend la tête. Ce gameplay pourri me saoule tellement que je vais manger ma manette. Viens jaloux dans les trous, nous on aime prendre des coups. Putain de saut, ah bah bravo, mon cheval finit dans l'eau. Catastrophe, j'ai fini. Regardez, j'ai plus de vie. Ça c'est pas un jeu pour les fillettes. Moi et là j'en peux plus. J'en ai vraiment plein le cul. C'est bon, j'arrête. Vinaigrette, je prends ma retraite. Vinaigrette. Mais qu'est-ce qu'il fait ce petit chatounette? Ah, oh, c'est dur la vie hein. C'est dur. Comme ta bite. Pauvre chat. Alors, récré solitaire. La dernière récréation, personne n'a voulu jouer avec moi. Oh, ça c'est ma vie, ça. Allez. J'ai lu juste, je regarde pas les réponses, je regarde juste ce que ça influe. Sur le quoi ça influe. J'ai déjà sorte de score. J'ai celle de c'est la fête au village, c'est la chenille qui redémarre. Ah oui, non, non, c'est... Moi, je suis plus JDG. Je ne sais pas de ces paroles. Ah si, c'est trop bien. Ah oh, bah je la vois régulièrement quand même, c'est la fête. Eh, hey, vas-y, je vais me prendre des coups, je le sens. Hein? Ah, mais vas-y, attrache-moi la tronche. Tu veux enlever mon masque? Apparemment, le nounours sent bon. Il y a un truc que j'avais vu sur internet, sur Twitter, je crois. C'est que le nounours, il ouvrait. Soit il avait ouvert les yeux ou pas. Il y avait un truc comme ça. C'était un peu bizarre d'ailleurs. C'était hyper flippant. Enfin, en gros, son expression changeait au niveau de ses yeux. Et genre, j'avais jamais fait gaffe. Wow! Wow!
Elle a des spasmes. Regardez-moi ça. Elle est tout spasmée. Décidément, mon loulou va pas bien, ça fait mal au cœur, il vient juste de s'en rendormir. J'ai loupé quoi pour que ce soit la fête? Oh, rien. Rien d'incroyable. Ah, pardon, excuse-moi, Guillaumus. Enfin, j'avais vu, mais... Peut-être que ça marche pas vraiment. Viva Shoux. Viva Shoux. Je sais plus. Ou genre parce que là il fait nuit donc ouais il est 2h du matin, j'avais pas vu. Donc il dort en fait et la journée ben il a les yeux ouverts. Un truc comme ça, je crois. Par contre, monsieur jeune homme, il est 2h du matin, vous devriez peut-être aller chez vous. Oh, je dis ça juste comme ça. On va venir passer l'aspirateur côté de Pomme. Et puis on va s'arrêter là. Parce que bon, à un moment donné... On peut pas faire tout non plus. Hein. Ah bah oui, c'est vrai, je peux pas monter les escaliers. Ouais, 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 ouais. Ma Jamie. Oui, des fois il a les yeux ouverts. Je crois que c'est suivant les heures. Ouais, voilà. Ah, il a les yeux ouverts là. C'est flippant. L'autre aussi. Il va savoir ce qu'il regarde. Il regarde des enfants en train de dormir. C'est pas flippant. Non mais je pense qu'il est pédophile en fait, parce que là il regarde la petite en train de dormir. La petite qui grandit dans 3 jours. Nickel hein, parce que les filles elles seront devenues ados pile quand leur mère va terminer la génération, donc c'est super. On va être bien, 7 jours. On va être bien, on aura de l'avance pour la dernière génération et ça c'est cool. C'est flippant, oui. J'ai oublié que j'avais plus mon clavier. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir sur le note saut. Bon, on a quand même bien avancé. On a fini les compétences. Il nous reste plus que le niveau 10 de la carrière pour Pomme. Et on sera bien, quoi. Je crois que c'est en fonction des interactions gentilles ou non. Mais je crois qu'il y a un peu de tout. Mais voilà, il a refermé les yeux. Par contre, lui, non. Hein. Ça doit être spécialement ceux-là avec les chiens et les chats. Non, c'est pas ceux-là. Enfin, bref, ça, on verra bien. Je vais terminer l'enregistrement. Et je vais remercier YouTube. Merci beaucoup, YouTube, pour avoir regardé cette rediff. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine dans... Voilà, avec de l'entrain, tout ça, tout ça. Et moins de 2 heures, pour une fois. Je vous fais des bisous. À très bientôt, mon petit YouTube. Et voilà. Ah, tout simplement. Salut.